Une horde de créatures ailées, hybrides, dressées et soumises, s'ébattait là. Ce n'était pas, à proprement parler, des corneilles, des taupes, des buses, des fourmis, ni des êtres humains en décomposition, mais quelque chose dont je ne peux, ni ne dois me souvenir. H.P. Lovecraft. Le Byakki est une créature interstellaire composée de matière au sens où nous l'entendons. Son corps comprend essentiellement deux parties, le thorax et l'opisthosoma. Deux ailes, deux membres et une tête prennent racine au niveau du thorax. Deux autres appendices manipulatoires partent de la partie antérieure de l'opisthosoma, dont le reste est essentiellement constitué par la une, organe paramagnétique unique en son genre. Bien qu'il n'en soit question dans aucun traité de biologie, on retrouve la structure de la une du Byakki au niveau du dard de nos abeilles terrestres. Se pourrait-il qu'à l'origine, cet organe de l'entité ait eu une fonction offensive? Le Byakki est une entité active et bruyante, au repos et en vol. Il pousse des cris perçants et des croassements, sauf lorsqu'il guette une proie. Bien que ses membres postérieurs soient assez robustes, le Byakki ne marche que rarement, préférant, dans la mesure du possible, voler. Préférant les planétoïdes dépourvus d'atmosphère et les rassemblements nucléiques de comètes, le Byakki ne pénètre dans l'atmosphère d'une planète que pour se nourrir des organismes qui l'habitent. Peut-être originaire d'une zone voisine d'Aldébaran, le Byakki peut cependant se rencontrer à plusieurs centaines d'années-lumière de cette étoile. On le trouve parfois sur Terre, mais il n'y séjourne pas. Le Byakki peut se rencontrer seul ou en petits groupes. Son mode de reproduction est inconnu. Il se nourrit généralement de formes de vie interplanétaires rares dans le système solaire, mais il lui arrive aussi, avec une inquiétante régularité, de dévorer des habitants de la Terre. Les exobiologistes ne parviennent pas à bien comprendre la une en tant qu'organe. Elle pourrait être en harmonie directe avec le champ magnétique galactique et en quelque sorte alimentée par son flux. Sur les planètes, la une permet au Byakki de planer. Ses ailes lui servent seulement à modifier la direction ou l'altitude de son vol. Dans l'espace, elle l'autorise à se déplacer et, dans une certaine mesure, à effectuer des manœuvres. À la surface de la Terre, le Byakki peut atteindre la vitesse de 70 km/h en vol, plus si la pression atmosphérique diminue. Dans l'espace, il parvient à une vitesse égale à 1/10 de celle de la lumière. Dans le vide interstellaire, la une du Byakki peut générer une structure espace-temps que les écrivains de jadis appelaient « keim ». À l'intérieur de cette structure, le Byakki parvient à se déplacer à une vitesse pouvant atteindre 100 fois celle de la lumière. Générer un keim constitue une tâche difficile que la créature accomplit seulement pour des voyages interstellaires. Elle sort de ces voyages terriblement affamée et vidée-là. La plupart des Byakki que l'on peut rencontrer sur Terre y sont parvenus grâce à la génération du Kane. À notre connaissance, seul le professeur Laban Shrewsbury a réussi à contrôler ces créatures. Son mode opératoire est le suivant. Il exige tout d'abord l'absorption d'une hydromel dorée
qui permet la séparation entre l'esprit et le corps, car seul l'esprit peut voyager à l'aide du biaki à des vitesses dépassant celles de la lumière. Afin de contacter le biaki et de le contrôler, il faut alors utiliser un petit sifflet et la formule Ia, Ia, Astur, Volktum, Volktagen, Volktum, Ai, Ai, Astur. Le biaki apportera alors le corps dans un endroit protégé et l'esprit à la destination voulue.